La péniche Excelsior vient de retrouver son port d'attache à Alonne. Cette péniche qui servait de salle de spectacle se refait une beauté depuis un an. Elle devrait accueillir ses premiers concerts l'année prochaine. Elle est revenue sur la berge de la Raterie, d'où elle était partie. L'Excelsior, cette péniche vieille de 80 ans, a subi une cure de jouvence, non sans mal. Au printemps, les travaux sur la coque s'étaient soldés par un échec. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Compte tenu des fuites, les planchers ont été arrachés, démontés. Et il faut recréer les planchers, refaire le cloisonnement et remettre cette péniche en état pour assurer maintenant la programmation des spectacles. Une programmation autour des musiques actuelles, mais le lieu servira aussi pour des répétitions comme c'était le cas au début du projet. On accueillait en résidence ponctuellement des artistes et là, une fois qu'elle sera complètement prête, on espère pouvoir lui redonner une place un peu en complément des studios du Silo pour accueillir des jeunes groupes manceaux qui auraient besoin d'un lieu d'apprentissage de la scène. Les premiers concerts dans cette jauge de 99 personnes auront lieu au début de l'année prochaine.